Locke, Oberon, Merlin, réveillez-vous. Faites sortir le chevalier de l'ombre, car voici revenu le jour de son destin. C'était à Thèbes, en la demeure d'Amasis. On donnait une fête pour la déesse Isis, épouse d'Osiris. Non loin du Nil, était la maison d'Amasis. Les dunes très blanches s'effondraient dans le fleuve, dans le long fleuve bleu. Autour du cou, un anneau d'or. Elle commença souple et languide, s'offrant en corolle au regard d'Amasis. Elle dansait, plus légère qu'une voile sur le Nil, plus souple que le roseau, plus lumineuse que le reflet du soleil lui-même. Soudain, autour de son cou, s'ouvrit la boucle d'or, profonde comme la cornaline, étincelante comme l'or. Seth se dressait, terrifiant et tranquille. Anaï et Seth enroulés, Amasis subjuguée. Soudain, Anaï poussa un cri. Et la nuit tomba avec le baiser du serpent. Entre les mains des Valois. L'insolence de nos ennemis dès lors souffle sans peur à travers les vallées ouvertes à tous les vents. Ils sont là, tous à ricaner avec des mots lourds à ma peine. Et la souffrance a élu séjour en mon cœur. Où fuir, où chercher un abri sûr, si mon passé, mes amis meurent avec ces morts-là. Je suis le fou bossu, celui qui roule sa bosse. Je suis le bossu, fou dans ma bosse, le soleil est tombé. L'incendie, moi! Avril, c'est de la
Le v'là. Oh mon Dieu, qu'il est gentil. Et que ça aurait été dommage qu'il eût été noyé. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller ? Donnez-moi la main. La voilà. Rossignol. C'est ça. En un seul mot. Et ro et si et gnol. Que fais-tu près de moi ? J'attends vos ordres. Il ne fait pas bon rire quand la mort travaille. Et s'il me plaît de rire ? La reine, cette femme, mit le temps d'un regard pour mesurer mon inanité. Elle a jugé et mon âme et mon corps. Vous avez accédé à son âme. Vous avez possédé son corps! Il est défendu d'humer dans ce bonnet! Défendu! Ma couronne, je suis le roi. Ma couronne, je suis le roi. Ma couronne, je suis le roi. C'est moi le roi puisque j'avais l'amour d'une reine. Eh bien, gardez l'amour, rendez la couronne! J'annonce au roi que la reine est morte. Il faut que le roi vienne, quel qu'il soit. Après la farce, la tragédie! Ouvre-toi!
tu avais vu Ali. De sa vie, il n'avait jamais touché le moindre gramme d'or. Et là, me voilà riche, comme le roi Iskandar aux deux cordes, comme Soleiman le magnifique, et le roi Shahriar, et Saddam, et les autres. Elles sont dans la poche de mon manteau. Non. Ni sur le meuble. T'es gentil. Parce que tu l'as laissé en double fil? Alors je les ai peut-être oubliées sur la voiture. Un jour on va te la voler. Conte-moi l'aventure d'Ulysse l'inventif, celui qui pilla Troie et pendant des années ravoyant beaucoup de villes.
la... De la... Une grenouille. La chétive béco. Enfin, si bien. Quel crevat. Ma grenouille. Tu dors? Attends, je réfléchis. Non, et toi, tu dors? Et psst, tu dors? Non, je dors pas. Et toi, tu dors? Mais non, je dors pas. Moi, et psst, tu dors? Et psst, tu dors?
Navire de guerre en vue, droit devant, plongé 25 mètres. Il me cherche, il me trouve. Mettre à l'abri toutes les beautés du monde. À l'abri des égarements fous des hommes. Et quand les hommes seront raisonnables, vous saurez où les trouver, ces beautés. Mais je veux encore tenter de provoquer les consciences. C'est un rêve. La tour Eiffel a disparu ? Ce sera ma dernière fabuleuse plongée immobile.